Chers amis, chers concitoyens, je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce soir dans notre maison de campagne, dans votre maison de campagne. Nous sommes, avec mes colistiers, très heureux de vous accueillir tout simplement à la maison. Alors, traditionnellement, c'est à la fin d'une prise de parole que vient le temps des remerciements, mais ce jour est un jour particulier. Ce jour est un jour important qui mérite, à mon sens, que l'on bouscule la tradition. C'est pourquoi je voudrais vous adresser, à titre personnel et au nom des gens qui m'entourent, mes remerciements les plus sincères, mes remerciements les plus émus d'avoir répondu à notre invitation et d'être si nombreux à ce rendez-vous. Votre présence fait chaud au cœur et nous emplit d'énergie. Vous voir si nombreux et si enthousiastes à l'heure d'entamer pour Marguerite une nouvelle et belle histoire nous transporte d'optimisme. Car, autant le dire franchement et tout de suite, ce que nous entamons ce soir, c'est un mouvement décisif pour nous tous, pour nos enfants, pour notre ville, pour son futur à moyen et à long terme. C'est bien entendu la campagne pour les prochaines élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Notre campagne ne sera pas l'affaire de quelques-uns ou de quelconque ambition personnelle, politique, partisane. Notre campagne, c'est un projet collectif, une vision commune et partagée pour notre ville. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce qui compte et ce qui nous anime, c'est Marguerite. Alors à Marguerite, certains d'entre vous y sont nés. D'autres comme moi y ont grandi. Y ont construit leur vie. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui ont choisi de s'y installer et d'y vivre. C'est une diversité réunie par la qualité de vie à Marguerite, par l'amour de Marguerite. Eh bien cela, c'est une chance. C'est une force, c'est un ensemble. Et tous ensemble, nous sommes Marguerite. Et c'est bien pour cela que nous, c'est Marguerite. Nous savons aujourd'hui quelle sera l'alternative qui nous sera offerte en mars prochain. Monsieur Portal, au bout de son cinquième mandat, se voit mis en concurrence par les membres de son équipe, cette fois-ci. D'un côté, son fidèle premier adjoint et ami de 30 ans, et de l'autre, l'un de ses colistiers, ni moins. Chacun des candidats s'engagera à sa manière dans cette campagne électorale. Mais déjà, certains actes, certains mots peuvent nous inquiéter. Aujourd'hui, de la désinformation, la pression sur certains de nos amis, de nos colistiers. Demain viendront peut-être l'anathème ou pire encore. Mais ceci n'est pas notre méthode, ceci n'est pas notre projet. Nous, c'est Marguerite. Et puisque certains n'hésitent pas à me faire tenir des propos qui ne sont pas les miens, je profite de cette prise de parole pour rassurer les marguerittoises et les marguerittois. Non, nous ne partirons pas derrière Pierre, Paul ou Jacques, ou plutôt William, Denis ou Stéphane. Oui, nous serons bien présents en notre nom propre à cette élection. Oui, nous représenterons bien l'unique alternative face aux trois candidats de l'équipe en place. Oui, nous serons bien présents pour notre territoire, notre ville et ses habitants. Oui, nous, c'est Marguerite. C'est Marguerite seule qui nous motive, qui nous conduit à être là, candidat aux élections, pour rassembler les marguerittoises et les marguerittois, préserver les richesses de notre territoire, dynamiser l'attractivité de notre ville. Parce que si nous tous, nous aimons Marguerite, si nous aimons y vivre, nous sommes convaincus que c'est en relevant ces défis, les défis de l'avenir, que nous garderons à notre ville son charme, son attrait, ses valeurs. Pour cela, nous devons donc rassembler. Rassembler et construire de façon collective le projet que nous mettrons en œuvre. Le temps n'est plus aux décisions radicales, prises par quelques élus
ou des techniciens omniscients. Cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, les habitants, les citoyens, veulent être informés, associés, consultés sur les décisions qui les concernent, sur les projets qui changent leur quotidien et construisent leur avenir. Être citoyen, c'est une responsabilité. On ne peut pas s'en exonérer. Les citoyens doivent reprendre le pouvoir et les élus leur en redonner. C'est pour cela que nous avons choisi d'installer notre et d'ouvrir notre maison de campagne. C'est une maison ouverte à tous, une maison de travail et de convivialité, une maison de démocratie pour rassembler, pour construire. Et c'est pour cela que dès le début du mois d'octobre, nous y tiendrons des ateliers thématiques ouverts à tous et destinés à nourrir notre réflexion collective, notre projet pour Marguerite. Et je vous invite d'ailleurs dès ce soir à vous inscrire à ces ateliers. Dans le même état d'esprit, notre site internet comportera un espace collaboratif où chacun peut laisser une contribution, une question, une réflexion, une revendication. Alors que ce soit à la maison ou sur internet, je vous invite à nous retrouver pour Marguerite. Nous devons préserver. Lorsque l'on dit préserver, on peut entendre une forme d'immobilisme, certes, de repli sur soi-même. C'est un risque à courir, mais bien moins grave que celui qui consiste à dilapider le capital qui est le nôtre. Nous savons tous que l'avenir portera de manière extrêmement forte les enjeux de ressources en eau, de qualité alimentaire, d'espace de vie, d'économie d'énergie, de services publics. Et Marguerite, grâce au travail des générations précédentes, et je le dis clairement ici, Marguerite est dotée de nombreux avantages. Mais sans prévision ou sans anticipation, Marguerite ne pourra plus avancer dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Marguerite ne pourra plus répondre aux défis qui se succèdent. Marguerite ne pourra plus offrir à ses enfants ce qu'ils attendent de la vie, ce qu'ils attendent de leur vie. Nous savons que notre plaine agricole, nos espaces fonciers disponibles subissent une forte pression. Nous savons que la situation géographique privilégiée de notre commune, au sein de l'agglo de Nîmes, entre le pont du Gard et la future gare TGV, aiguise les appétits. Mais nous, c'est Marguerite. Et nous ne laisserons pas ces ambitions extérieures venir nous affaiblir. Nous devons déterminer ensemble et pour Marguerite ce que nous voulons faire de nos terres agricoles, de notre centre-ville, de nos quartiers, de notre croissance. Vivre ensemble, c'est d'abord inventer et choisir ensemble. Et là encore, que personne ne vienne nous faire de procès d'intention, que l'on ne nous prête pas des propos qui ne sont pas les nôtres. Préserver, c'est donner à l'avenir toutes ses chances. C'est envisager la croissance et la dynamique de notre ville de façon durable, humaine, partagée. Parce qu'au-delà de notre amour pour Marguerite, nous avons une ambition pour Marguerite, pour dynamiser Marguerite. Troisième ville de l'agglo, 9e du département, Marguerite doit affirmer sa place et son destin de pôle urbain et économique. Parce que nous, c'est Marguerite, nous voulons placer notre ville de façon bien visible sur les cartes de l'agglo, du département, de la région. C'est la condition pour que s'y développe de l'activité, de l'animation, de l'emploi. Parce que un territoire sans développement, c'est un territoire qui périclite, un territoire que l'on quitte et un territoire que l'on oublie. Et ça, il n'en est pas question. Alors il ne s'agit pas non plus de faire du développement pour le développement. Il s'agit de faire grandir encore la qualité de vivre à Marguerite, l'attractivité de Marguerite, l'envie de vivre à Marguerite. Et c'est bien parce que nous sommes attachés à notre marché, à nos fêtes, à nos traditions, à nos commerces, à notre tissu social, que nous devons leur donner encore plus de force, plus de reconnaissance. Notre responsabilité, notre engagement, c'est de travailler avec les citoyens, avec les associations, avec les commerçants, les entreprises, à travailler sur un projet de croissance et d'identité marguerittoise. Notre engagement sera de repenser l'urbanisme en fonction des besoins en logement
et des nouveaux modes de vie. Relancer l'activité agricole autour de la qualité alimentaire et de la proximité. Adapter les équipements et les services publics aux attentes des citoyens. Repenser et créer des événements festifs, culturels, économiques dont nous serons fiers. Accompagner et accueillir les entreprises et les talents pour favoriser les créations d'emplois. C'est les aléas du direct. Rassembler, préserver, dynamiser. Nous, c'est Marguerite. Et vous l'aurez compris, nous, c'est un collectif. Les 15 et 22 mars 2020, les Marguerittoises et les Marguerittois éliront les femmes chargées de les représenter. Les femmes et les hommes chargés de mettre en œuvre le projet qui inscrira notre ville dans l'avenir, qui permettra à notre ville de relever tous les défis. Ces femmes et ces hommes sont bien sûr à mes côtés. Vous les connaissez. Et ils sont déjà bien identifiés, même si nous aurons l'occasion de les présenter plus précisément d'ici quelques semaines. Ces femmes et ces hommes constituent une équipe. Notre équipe, votre équipe. Nous, c'est Marguerite. Ces femmes et ces hommes sont représentatifs des quartiers, des compétences, des volontés, des différences de Marguerite. Ces femmes et ces hommes sont porteurs et garants de ce que je viens de vous dire. Une ambition unique, notre ville. Un esprit commun, le collectif. C'est ce qui fait notre force. Nous sommes 29 candidats. Nous sommes ce soir 200 personnes. Si chacun d'entre nous convainc 10 électeurs d'ici les 15 et 22 mars prochains, 10 électeurs, nous serons alors la majorité de Marguerittoises et de Marguerittois pour affirmer cette force, cette ambition, ce collectif. Avec eux, avec vous, ensemble, nous rassemblerons autour d'un projet pour l'avenir de notre ville. Avec eux, avec vous, ensemble, nous préserverons cette qualité de vie et ce bien-vivre que nous recherchons à Marguerite. Avec eux, avec vous, ensemble, nous dynamiserons les forces de notre commune pour lui donner la place qui doit être la sienne. Avec eux, avec vous, ensemble, nous, c'est Marguerite. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Dans des conditions quelque peu difficiles, on va dire. Maintenant, je vous invite, bien entendu, à partager le verre de l'amitié avec nous. Et bien entendu, si vous le souhaitez, à venir découvrir notre maison de campagne. Merci à vous.